Salut à toutes et à tous amis gamers, mon nom est Choi et bienvenue au Choi's Gaming Show. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre partie de Civilization Beyond Earth Rising Tide. Une partie dans laquelle nous jouons Duncan. Nous allons tenter une victoire d'harmonie, hein, bien évidemment. Et puis voilà, le petit truc sur cette partie, c'est qu'on a fait que des villes maritimes, hein, c'était un peu notre petit but supplémentaire qu'on s'était fixé. Et voilà, on a eu un peu de mal, mais c'est en train de prendre. On arrive au stade où voilà, on a toutes nos villes qui sont posées, les dernières sont en train d'arriver à niveau par rapport aux villes les plus anciennes. Donc là, on va mettre un gros coup de boost niveau science. On va booster vers l'éthique extraterrestre. Et après, on va prendre nos techs de victoire. Arriver jusqu'à 13 d'harmonie. Construire tous les bâtiments qu'il nous faut dans nos villes. Et puis, juste remporter la victoire une bonne fois pour toutes. Voilà, voilou. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Sur ce, on va continuer. Voilà. Alors. Où est-ce qu'on l'envoyait lui? Oui, on l'envoyait par là-bas. Ok, c'est tout. Gritten qui arrive à 5 citoyens. Très très bien. Ah oui, là maintenant, avec nos méga fermes, ça va aller relativement vite toute cette histoire. Utama a fait la paix avec Reginaldo de Alencar. Très bien, donc ça veut dire qu'il va pas capturer Freeland. Par contre, il a capturé Rangi et il est pas très loin de ma pomme. Tiens, je viens de remarquer qu'il y avait un cerveau hydrocoral ici. Et je viens aussi de réaliser qu'il est temps d'aller terminer l'exploration de ce satellite accidenté. Ah bah voilà, elle reprend un petit peu de respect pour moi, c'est pas mal. Ce serait peut-être temps d'avoir ce respect qui augmente avec Elodie, parce que j'aimerais bien qu'elle ne redéclare pas une énième guerre. 40 points de vie, ça devrait suffire. J'espère que les autres vont pas m'attaquer là-bas, mais je ne pense pas. Toi, on va te fortifier ici. Toi, tu vas enlever les miasmes qui sont là. Non, toi, c'est un fond que je voulais que tu fasses. Ensuite, ici, on vient de terminer la raffinerie d'eau. Il y a plein d'autres choses à faire, comme le gouvernail thermohaline. Et surtout, un réseau d'abord. Périmètre de défense, c'est pas nécessaire ici. Ah oui, c'est ça qu'il fallait que je fasse. C'est fallait commencer à construire des périmètres de défense. Comment je fais pour annuler ça? Donc on va modifier construction ici. Voilà, faire des périmètres de défense un petit peu partout. Donc, Elémur va nous en faire un. Fiaran, tu vas nous en faire un une fois que tu auras terminé ta cale sèche. Wide Way, t'es en train de nous faire une barrière ultrasonique. Combien ça te prendrait de temps de faire un périmètre de descente? 7 tours, c'est quand même un petit peu long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le recycleur et mettre le périmètre de défense juste derrière. Voilà, ça devrait le faire comme ça. Et sur Dunkyle, quand même, je vais en faire un. Parce qu'elle est quand même proche de là-bas où ça risque de péter. Donc tant qu'à faire, on va en prendre un. Les autres villes, c'est pas la peine. Voilà, on a juste nos villes en bordure qui sont bordure risquée, on va dire, sur lesquelles on fait ça. Toi, t'as terminé ta raffinerie d'eau. Derrière, c'est donc cale sèche que je veux. Cale sèche. Et on en fait. Alors, déclarera la guerre, déclarera pas la guerre. Mystère et boule de gomme, j'ai envie de dire. Là, est-ce qu'on va avoir une attaque?
J'espère pas. Normalement, je suis pas trop proche de leur nid, donc ils vont pas avoir envie de m'attaquer. Ils vont pas se sentir agressés. Très bien. Bon, on va pouvoir la terminer. Cool. Alors, on va lire le texte parce que, comme je disais, hein, je l'aime bien cette quête autour d'Olivia Ross. Une jeune xéniobiologiste intrépide qui répond au nom d'Olivia Ross a adressé une lettre au gouvernement de la colonie en lui demandant un nouveau local pour ses recherches. Madame, monsieur, je m'appelle Olivia Ross et je fais partie des scientifiques qui ont récemment été affectés au projet de la barrière ultrasonique à Wideway. En étudiant nos données, j'ai découvert une fréquence complexe qui, si utilisée correctement, pourrait accroître considérablement la portée de la barrière. Afin de valider mon hypothèse, j'aurais besoin d'un laboratoire et d'une équipe compétente. Je suis convaincu que la construction d'une telle structure ne sera pas en vain. Bien à vous, docteur Oliver Hans. Donc, construire un laboratoire à Wideway. Toi, tu vas nous faire ça. Ce qui normalement devrait te permettre de survivre. Enfin, je l'espère. Le laboratoire, il va arriver après le périmètre de défense. Mais du coup, on va le mettre, en plus haute priorité. Voilà, tout simplement. Donc la quête a été mise à jour. Van Fald qui passe à 5 citoyens. Va bientôt falloir penser à la déplacer, celle-là. On est en train de faire une cale sèche, donc ça va bientôt être le cas. On va la bouger par là-bas, hein, je pense. La décaler par ici, peut-être après partir par là. Transmission diplomatique. Toi, tu veux ça, ça me semble bien. Ok. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on a assez pour prendre un nouveau trait de caractère avec les agents secrets d'abord. Priorité au trait de caractère sur les agents secrets, et puis après on terminera notre dernier avec les échanges vers les stations. Gritten, t'as terminé ta raffinerie d'eau. Excusez-moi. Donc, c'est cale sèche derrière. Une jolie petite cale sèche. Gritten aussi, il va falloir la déplacer peut-être par ici. Bon, j'avais dit que j'achèterais beaucoup de cases, mais bon, il y a quand même certaines villes qu'on va juste déplacer, hein, parce qu'on en tirera plus de cette manière. Science extraterrestre dans deux tours. Ouais, ça va commencer à bien booster, puis on va commencer à pouvoir faire nos puits de Xenomas. C'est bien, on retrouve pas mal d'activités à faire là. J'aime bien cette histoire. On recommence à avoir des choses à faire. Lorsque vous rencontrez une nouvelle voisine, vous la saluez avec une sincère courtoisie. Alors, c'est nouvelle technologie découverte, très bien, les sciences extraterrestres. Parfait, bah d'ailleurs, tout de suite. On a dû réussir à voler de la science. Ok. Du coup, là... Ouais, toi tu vas descendre par là-bas pour faire cette xénopépinière. On a réussi à voler de la science, très très bien, bah on va continuer ce petit vol de science. Je préfère voler de la science que des technologies, parce qu'au moins, voler de la science, je suis sûr d'obtenir de la science vers les technologies qui me servent. Donc je préfère faire ça, là, le laboratoire dans un tour, ça c'est cool. Dunkyle, rien de bien joli qu'on va pouvoir faire à nouveau, donc on va retourner en développement scientifique. Que veux-tu, espèce de malotru ? Ouais. Toi, t'es toujours à zéro de respect, d'accord. Très bien que ça remonte un petit peu plus vite. L'éthique extraterrestre dans 10 tours. Est-ce qu'on va avoir un vol de tech dans 2 tours? Ouais, on en a un qui est possible, donc espérons que ça va fonctionner. Voilà. Sinon, ça va. On va avoir pas mal de villes qui vont passer en mode création de science. Donc nickel, pas grand chose à faire sur ce tour-là, si ce n'est surveiller que lui... Voilà, il fait bien cette expédition.
Ah, maintenant tu peux crever, j'en ai rien à foutre. Décision de quête. Eh ben... Ouh. Il y avait des survivants dans le vaisseau, ils étaient humains autrefois, mais ils sont différents aujourd'hui, nous les appelons les augmentés. Comme nous, ils ont colonisé une nouvelle planète, mais si notre monde favorise la vie, le leur était dur et violent. Ils ont essayé de s'adapter en incorporant la technologie dans leur chair, mais cela n'a pas suffi à faire prospérer leur nouveau foyer. Les augmentés sont souhaitent vivre dans notre monde, allons-nous les accueillir dans nos villes ou les laisserons-nous se débrouiller dans ce nouveau monde? Ben moi je vais les laisser se débrouiller, le truc c'est qu'il va falloir... probablement aller écraser une colonie quelque part. Bien que reconnaissant de votre intervention, les augmentés sont clairement déçus par ce rejet. Juste avant de mettre fin aux communications, ils jurent de survivre par leurs propres moyens. Ah, donc il y a une ouais, c'est ça, c'est une colonie. Il y a une station qui va être créée quelque part, il faudra probablement aller la... Eh ben, la fumer. Quête mise à jour... oui, donc là on attend, très bien... votre expédition a démantelé les blablabla. Tour suivant. Utama a déclaré la guerre à Elodie. Oh, tiens, bah ça c'est une excellente nouvelle, plus ou moins. Vous savez, ils vont un peu se foutre sur la gueule. Elle va dégager ses unités et puis avec un peu de chance. Non, mais je pense que ça compte pas dans leur décision de déclarer la guerre ou pas s'ils sont déjà en guerre avec quelqu'un. Je crois... Mais tu vas où, là? Va-t'en! Va-t'en très 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 loin. Cool! 16 points en harmonie. Bannière ultrasonique, portée de répulsion, plus 1. Eh ben, ce serait peut-être temps. Nous avons reçu les résultats du laboratoire des barrières ultrasoniques. Comme le docteur Ross l'avait prédit, la portée de la barrière ultrasonique de Wideway a été améliorée. Même si on n'en a pas, c'est pas bien grave. Ah bah si, attendez, on en a construit une. Oui si, on en a construit une. Il y a toujours eu un accident tragique lors des premières phases de test de cette nouvelle technologie. Le docteur Ross a toujours insisté pour observer ses effets depuis très loin. Lorsque nous avons mis en route la barrière améliorée, les retombées ont été plus importantes que prévu et Ross a été forcé de fuir en pleine nature. Ouais, voilà. Il y a une suite à cette quête où, en fait, on doit aller la chercher carrément en pleine nature. Elle se retrouve dans un île extraterrestre. Il faut aller la sauver ou je sais pas quoi, bref. Voilà, son équipe n'a jamais pu retrouver son cadavre, elle est présumée morte. Mais je crois qu'on n'est pas obligé d'avoir cette quête-là avant d'avoir l'autre. On peut avoir juste l'autre quête qui apparaît comme ça. Mais voilà, c'est sympa un petit peu ces petites histoires qu'ils ont rajoutées, j'avais bien aimé. Bon, bref, tout ça, ça nous fait 16 points d'harmonie. On atteint le niveau 6. Cool. Qu'en cascade, oui, bah ça, c'est les augmentés, ça. Ça, c'est les augmentés. Donc, bah, pour les augmentés, il y a une solution très simple qui s'appelle... on va faire descendre nos troupes et on va leur casser la gueule. Décision de quête, du coup... on dirait que nos petites affaires avec les augmentés ne sont pas encore terminées. Ils nous ont fait savoir qu'ils souhaitent faire un échange. Apparemment, ils seraient parvenus à construire un refuge à partir de l'épave de leur vaisseau. À les croire, celui-ci serait suffisant. Mais pour pouvoir y vivre réellement, je ne sais pas lire. Ils vont avoir besoin de ressources, des ressources que nous pouvons leur donner en échange de matériaux. En instaurant des échanges avec eux, les deux camps y gagnent, mais les augmentés ont une perception bien particulière de l'avenir et des idéaux différents des nôtres. Arriverons-nous à nous entendre? Donc on peut accepter pour avoir de l'énergie ou de la science, vous refusez pour avoir plus d'harmonie et de l'énergie. Moi, je vais refuser pour avoir de l'harmonie. Voilà, détruire la nouvelle station des augmentés. Très bien. Cool. Les marines. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? On va prendre le plus 40%. Pour 100 si loin de toute unité alliée. On va accepter ça. Et la vedette, on va prendre... On va lui rajouter du point de mouvement, je pense. On va faire des trucs très très rapides pour pouvoir intervenir. On pourrait avoir le plus 40% en attaquant une ville, mais on va pas faire des attaques avec. On va plutôt l'utiliser pour la défendre. Pour nous défendre. Donc je vais plutôt choisir le point de mouvement supplémentaire. Voilà. Voilà, voilà. Et enfin, on a des trucs niveau 2. Ah, t'es trop cool! Ce qui serait sympa, c'est d'obtenir encore un peu plus d'harmonie. Ce serait vraiment cool. Donc ça, c'est une quête terminée. Wideway qui contient 5 citoyens. Ok, donc Ekima, c'est une mauvaise...
c'est une mauvaise idée. Donc on va retourner sur un convoi commercial ici, puis on enverra Wikane, hein, parce que Ekima, ça n'a pas l'air de trop fonctionner, ce qui est un peu dommage, mais c'est la vie. Elodie a déclaré la guerre à Reginaldo, qui a vite attaqué un appel à pied avec une... Ok. Mais faites-vous la guerre, amusez-vous, juste foutez-moi la paix. C'est ça que je veux, moi. Ce qu'il y a, c'est que j'aimerais bien, peut-être, en fait, dégager... Que toutes ces unités-là dégagent de l'autre côté, que je puisse reculer un petit peu mon mur pour être plus en une position défensive. Parce que là, j'aime pas trop le fait d'avoir tout ça qui est dans mon... Dans mon jardin, on va dire. Du coup, je vais peut-être commencer, d'ailleurs, à un petit peu réorganiser tout ça. Bon, je vais aller déplacer les unités qui ont besoin d'être déplacées. Toi, voilà, tu vas dégager par là. On va te remettre quelques points de vie. Puis tant qu'à faire, on va récupérer un module d'expédition avant de repartir. Toi, t'as terminé ici. Et... Oui. Bah, tu vas venir là. Et tu vas nous enlever les miasmes. Toi. Toi, t'en as terminé là. T'es à 7 citoyens, donc il va falloir commencer à... un petit peu aller vers, vers cette xénomasse. On va acheter ça et acheter la xénomasse. Voilà. Et du coup, cet ouvrier va aller vers la xénomasse. Celui-là va suivre pour améliorer ce cuivre ou faire une ferme ici ou quelque chose. Toi, tu viens là nous faire un puits de xénomasse. Oui, on enlève ça. Et toi, tu vas venir nous faire le puits de xénomasse juste ici. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a comme xénomasse utilisable. 1, 2, 3, non, il y avait un quatrième endroit. Juste là, oui. Donc là, ça va être ici. Hop, on achète ça. Retour à la carte. Toc. Xénomasse. Toi, t'as terminé cette histoire-là. Je vois pas trop d'extraterrestres par là-bas, donc à la limite, je vais pouvoir essayer de te faire terminer cette plantation. Hein, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et nous, on disait que, voilà, on voulait un petit peu faire retourner nos unités dans les villes. Alors, on va faire ce genre de choses-là. On va ramener nos chasseurs de marée aussi en arrière. Voilà, vraiment faire une défense autour de nos villes plutôt que autant en avant. Voilà, ce qui permettra d'un petit peu plus. Un petit peu mieux se défendre. Va là-bas, toi. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas là-bas. Et toi, va venir ici. Au prochain tour. Voilà, le reste, on le fortifie. Donc voilà, on est un peu plus en sécurité. Je préfère être comme ça que être loin à l'extérieur, à risquer de me faire prendre par derrière par ces unités qui se baladent, ce genre de choses. Pas forcément besoin d'avoir la vision ici. À la limite, ça gêne pour faire un avant-poste, mais bon, on s'en fiche un petit peu. Voyons voir pour cette production à Gritten. Gritten, on est à 6 citoyens, donc va falloir déplacer la ville. Moi, je la déplacerai bien là. Ou là. Ici, ce sera mieux, je pense. On perd ce titane, mais on n'en a pas trop besoin. Non, on va se déplacer, là, pour l'instant, avec Gritten. Ensuite, sur Vanfald, c'est un peu le même délire. J'aimerais bien déplacer la ville, maintenant qu'on a terminé la cale sèche, et probablement la déplacer par là-bas.
Ouais. Voilà, voilà. Ça me paraît bien tout ça. Voilà, bon, les villes se déplacent super vite. Ça, c'est assez cool. Alors, lui, il est content de mes aménagements. Tout le tralala. Voilà, franchement, on peut pas. Je peux pas avoir plus d'aménagements par rapport au territoire que j'ai. Hein. C'est pas possible. C'est vraiment impossible d'avoir plus d'aménagements que ça. Je suis au max. Voilà. Bon, là, sérieusement, je suis au max. Ok, plein de succès, c'est cool. Science volée, agent non repéré, 375, c'est très très bien ça, c'est très très bien, ça nous a fait gagner 3 tours là sur l'éthique extraterrestre, c'est parfait, et ben on va continuer, hein, on va continuer, j'ai toujours pas d'agent supplémentaire qui est arrivé, ça c'est un petit peu dommage, ce sont des choses qui arrivent, et j'ai plein de constructions. Alors on va commencer par faire les constructions, toi t'as terminé un réseau, on peut pas te faire bouger toi parce que... Bah parce que... ouais non, on va pas te faire bouger. De toute façon, là, t'es à 7, mais maintenant, t'as beaucoup plus de terrain que ça. T'as tes 6, 7, 8, donc tu peux aller jusqu'à 8 de population avant d'avoir à racheter quelque chose ou te déplacer. Ce qu'on va faire ici, du coup, ça va être un gouvernail thermohaline, probablement. Toi, t'as plein de possibilités, niveau Xenopep et compagnie. Enfin, t'as plein de bâtiments possibles. Mais d'abord, on va faire le gouvernail thermohaline à Griten. À Griten, à Griten, à Griten. Tu as fini de te déplacer, donc toi c'est pareil, il n'y a plus trop besoin de te déplacer pour l'instant. On va faire un réseau. Sur Vanfald, même délire. Sur Fiaran. Xénopépinière, pour ça, va falloir améliorer cette xénomasse. Est-ce que ça vaut le coup? Ça donne plus 10% de science. Ça coûte pas beaucoup de production. Et ça donne plus 1 de science sur ma xénomasse. Donc, ça peut valoir le coup quand même sur les bâtiments avec de la xénomasse de le faire. L'observatoire, évidemment, si je pouvais améliorer la phyraxite, mais je peux pas. Pas encore, hein, parce que je crois que c'est par là-bas, la tech. Voilà, c'est vers la robotique, ce qu'on a pas encore. Une fois que je l'aurai, peut-être que j'en ferai. En attendant, pour l'instant, sur cette ville, le réacteur Atorium, on s'en fout. Non, bon, on va passer en développement scientifique. On va passer en développement scientifique, ce qui nous fait arriver à plus de 139, très bien. Et à Elémur qui vient de nous terminer son convoi commercial. Bon, toi, par contre, t'auras carrément une xénopépinière. L'usine de xénocarburant, pourquoi pas? Pourquoi pas? La bio-usine. Non, ça, on avait dit qu'on s'en foutait. Que c'était pas la peine. Donc, retourne en développement scientifique. Et ce convoi commercial, on va lui faire établir une route. Du coup, avec Homo Icane. Parce que Ekima, c'est un peu trop risqué, malheureusement. Donc, Homo Icane, c'est parti. Reviens par là, toi. Hop. Non, c'est toi qui devais aller là. Et nous faire un puits de Xélomas. Du coup, toi, tu vas aller sur le cuivre. Tu vas nous faire une petite mine. Ok. Alors, comment est-ce qu'on va organiser tout ça? On va faire notre petit mur. De vedette. Comme ça. On va améliorer notre mur en les plaçant un petit peu mieux. Du coup, toi, tu peux aller là et toi, tu vas pouvoir aller là-bas.
Voilà, donc on a un joli petit mur de vedettes comme ça, et puis on a des croiseurs derrière, des chasseurs de marée. Limite, toi, on va pouvoir te... Bon, on va te laisser dans la ville pour l'instant, ça coûte rien. Ce chasseur de marée, on va aller le mettre en place, après des lémures, par exemple. Et c'est très bien comme ça, tout ce beau monde se fortifie. Hop. Vous êtes en train de descendre gentiment vers en bas. Toc. Miasme. Ah bah non, il y a une barrière ultrasonique, donc ça devrait aider pour éviter qu'ils viennent nous faire chier avec nos ouvriers. Normalement, ça devrait aider. Alors, c'est pas sûr à 100% qu'ils nous attaquent pas. Hein, c'est juste un... Ils ont moins d'agressivité, ça réduit un peu leur agressivité et les chances qu'ils nous attaquent. Mais ils peuvent toujours nous attaquer, mais là, à une case de la ville, sur notre territoire, je pense pas qu'ils vont aller attaquer l'ouvrier. Je pense vraiment que c'est plutôt safe, il n'y a pas trop de soucis à faire de ce côté-là. Est-ce que je te remets un nouveau module d'expédition? Toi, non, ça sert à rien, juste soigne-toi, me fais pas chier. Fortifie, là on descend, on fait suivre, hop. Voilà, le protectorat cavicien a perdu sa capitale. Équation transcendante achevée par Dominic Sachoum, ok. Là, on termine la plantation. Et c'est tout. Bon bah ok. Réseau, là tout ce beau monde est en production de science, parfait. Toujours pas de puits de xénomasque qui a été amélioré. Hop. Puits de xénomasque. Allez. Sérieusement, mon armée, elle est... Ça va. Ça commence à aller, là, maintenant. En tout cas, je vous mets au défi de m'attaquer, là. Maintenant, vous n'allez plus me marcher dessus comme vous avez pu le faire au début de la partie, parce que ça va bien 2 minutes, les conneries. Hein. Voilà, donc j'ai bien fait de partir en retrait. Très bien. J'ai envie de dire... ok. Mais j'ai envie de dire tu vas crever encore. Voilà, tout simplement. Tu ne vas pas survivre. Surtout si tu mets des vieux méditateurs là... qui traînent un peu partout. Elodie nous a déclaré la guerre. Ok, très bien. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, je vous jure. Bon bah du coup, on va être ultra défensif, hein. S'il y a des trucs à porter, on attaque. Bah sinon, on reste fortifié. Là, il y a deux principes, mais je pense que ça devrait aller pour cette ville. Elle devrait largement survivre. C'est Wide Way qu'il faut plus défendre. À la limite, je peux toujours essayer d'amener lui là. De descendre un peu lui. Voilà, pour créer un peu des meilleures zones de contrôle. Sinon, au-delà de ça... On peut avancer un petit peu comme ça, histoire de pouvoir faire peut-être... On va déjà explorer un petit peu plus ce qu'il y a devant, faire des attaques supplémentaires. Pour pouvoir t'amener par ici. Voilà, on peut se débarrasser de lui. Je viens de te niquer une de tes unités et tu perds du respect pour moi. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens.
Ça n'a vraiment strictement aucun sens. Très bien. Là, c'est des défaites mineures, malgré un bonus de contournement, mais il a quoi? Il a des bonus unités adjacentes, bonus au combat, contre unité navale de combat rapproché, bonus valeur, ok. Ils ont quand même pas mal de bonus, ces cons-là. Si je me mets... Si je me mets là, ouais, non, moi j'ai pas le truc d'unité adjacente, hein, non, non. Bon, je pense qu'on peut quand même faire quelques attaques et survivre le coup d'après. Hein. Donc voilà, on va un peu faire quelques petites attaques comme ça. Je pense qu'on peut se débarrasser de quelques-unes de ces unités, voilà. On peut faire descendre aussi lui, je pense, dans le coin sans trop de problèmes. Ouais, allez hop. Voilà. Voilà, très très bien tout ça. Bon là je m'inquiète pas, hein. Franchement, je m'inquiète vraiment pas de cette attaque par contre. Contrairement à celle d'avant, cette fois-ci c'est vraiment tutti bueno. Mais oui, c'est bon, faites vos trucs. Vous ne risquez rien. Il n'y a pas assez d'unités dans les environs pour me faire peur actuellement. Voilà, regardez, même S-bar. C'est quand même révélateur de la situation, hein. S-bar. Est-ce qu'il y a moyen tout de suite d'obtenir la paix ou est-ce que tu fais chier? 60. Parce que là, je gagne, hein, donc non. Ok, bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Et ben, on va réorganiser un petit peu tout ça pour... pour avoir une bonne défense. On va utiliser les sous-marins un petit peu pour regarder devant. On va faire un joli petit mur de hunter. Juste comme ça, de hurleur, pardon. Avec un autre en renfort derrière. Derrière nos croiseurs. Voilà. Ok. Vous deux, vous êtes en train de descendre. Putain, c'est long. C'est long, c'est long. Toi, c'est Gwen. Toi, on a dit... Ouais, reste dans le coin. Voilà. Ok. Et maintenant, une ferme. Cool. Production à Gritten. Gritten. Tu viens de terminer un réseau. Tu vas nous faire le gouvernail thermohaline. Vanfald, tu viens de terminer un réseau. Même combat. Et on va pouvoir enchaîner sur le prochain tour. Avec l'éthique extraterrestre. J'ai dit que c'était bon, que tu pouvais faire. Pourquoi tu m'embêtes? Regarde, t'es bien en sécurité, il y a un mur de défense devant toi. Je vois pas. Comment tu pourrais être en danger? Ce qu'il y a de bien, c'est que là, avec le passage niveau 7 en harmonie, on va pouvoir passer aussi nos croiseurs en... La nouvelle amélioration des croiseurs, donc ça c'est cool. T'es en train d'essayer de passer par en bas. J'aime pas trop ça. Mais on va s'en occuper sans trop de problème.
Voilà. Et puis là, on va pouvoir faire des centres spirituels et des xéno-sanctuaires, surtout. Et ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne nouvelle, pardon. Harmonie, niveau 7 atteint. Les croiseurs. Bon, ça n'arrivera pas souvent, mais ça peut toujours arriver, hein. Donc on va prendre ça plutôt. Ça arrivera plus que attaquer une ville, en tout cas, ça c'est sûr. Et les canonniers, on s'en fout. Plutôt ça, voilà. Voilà. De l'énergie siphonnée, mais il s'est fait repérer, je crois. Bon, là, maintenant, on va voler de la science. À la bonne heure. Alors, de plusieurs choses qu'il faut considérer. Déjà, Deep Castle. On va modifier la construction et... Eh oui, non, il nous faut de la xénomasse. Il y en a toujours pas un qui peut terminer ça. 4 tours ici, ici 3 tours, ici 5 tours. Non, c'est pas pour tout de suite alors. Donc, c'est pas pour tout de suite tout ça. Donc, vous restez comme vous êtes pour l'instant. Par contre, niveau de la tech qu'on va rechercher... oui, donc ça c'est en cours, soldat 2.0. Oui, il faut faire un xéno sanctuaire. Ça arrive, mais il me faut des trucs. Non, mais je peux faire des centres spirituels déjà. C'est vrai que je peux construire déjà des centres spirituels. Donc on va commencer par construire des centres spirituels partout où on peut. Gouvernail, bon, toi tu termines ça. Toutes les villes qui sont en train de faire de la recherche, vous allez passer en centre spirituel. Fiaran, centre spirituel. C'est quand même un peu long à faire, hein. Donc voilà, il faut prendre un petit peu les devants de la chose. Très bien. Ici, on a une production à faire. Tu vas commencer par la cale sèche. Tu vois, on n'a même pas fait de cale sèche ici. Fais une cale sèche, ça aidera un petit peu pour le centre spirituel. Ça presse pas non plus énormément. Niveau technologie, maintenant. Celui-là, oui, non, celui-là, on peut pas le faire. Niveau technologie, donc on a dit transcendance, qui est à la fin maintenant. Transgénèse, intelligence en essaim, nanorobotique. Transgénèse, c'est par là. Ça nous donne un petit peu de pureté. Ça nous donne le jardin génique, on s'en fout. L'usine de clonage, on s'en fout un petit peu. Ça peut être utile dans certaines villes, mais pas forcément. Forge génique, ouais, pour l'instant, c'est pas forcément utile. On est à 27. Voilà, bon, ça nous donne pas grand-chose. Pour la transgénèse. L'intelligence en essaim. Ça nous donne accès au berceau LEC, au réseau de surveillance. Donc pas grand-chose non plus. Et la nanorobotique qui est là. Ça nous donne accès, en tout cas, à la robotique, qui nous permet d'avoir les mines de Phyraxite et les auto-usines, même si les auto-usines sont plus aussi intéressantes qu'à l'époque. Voilà, le pâturage, c'est un peu beaucoup de production juste pour ça. Mais voilà, ça nous donne accès à la robotique tout court. C'est aussi assez long par contre, donc on va commencer par faire robotique. On va ensuite enchaîner. Parce que tout ça, ça met du temps. On va ensuite enchaîner probablement sur la l'intelligence artificielle et l'intelligence en essaim. Puis sur la transgénèse.
puis terminer par la nanorobotique. Voilà. On va faire ça comme ça. Ça me paraît pas mal. Et on a un joli petit plan pour notre tech, pour toutes nos techs à venir. Va-t'en. Pourquoi tu es venu sur mon territoire, toi? Ce n'est pas assez le truc amélioré par Olivia Ross. Il semblerait que non. Alors, toi, il te voit. Comment est-ce qu'on va faire de ce côté-là? Et les murs, tu peux faire un tir, donc on va le faire. On va vous descendre, vous deux, vous trois même, voilà, comme ça, c'est plus vite fait. Du coup... hop, on va tirer là comme ça... Toi, tu vas pouvoir t'en débarrasser. Parfait. À ce niveau-là, on va pouvoir faire pas mal de tirs de ce côté-ci. Hop. Se débarrasser de ça. Il me reste combien? 2 croiseurs à utiliser. Si j'amène lui par là, je peux faire sortir ce croiseur, rester en sécurité. Amener lui par ici. Sortir ce croiseur, faire un tir là comme ça. Avoir un nouveau truc comme ça. Là, on peut faire... deux attaques comme ça. Et là, on peut faire une petite attaque ici. Ça me paraît bon. Ça me semble bien. Et maintenant, ça me fait penser... Non, j'ai pas encore assez pour prendre mon dernier trait de caractère que je voulais. On va peut-être perdre une ou deux unités maritimes, là. Bon, ça arrive, hein. On va passer au tour suivant. Non, j'ai dit donc tour suivant. Les lois diachroniques du monde physique vous révèlent un peu plus leurs secrets chaque jour. Tout à fait, ma chère Alphala. Mon armée ridicule, t'emmerdes toujours autant. Ouh, 3 unités quand même éliminées, c'est pas le top du top. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, on va s'arrêter là-dessus, on va gérer tout ça au prochain tour. En tout cas, on a de la vétérance qui est obtenue, donc ça c'est une excellente nouvelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à passer sur Twitter et Facebook. Moi, je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt sur le Chowiz Gaming Show. Ciao, ciao.